Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, à la demande de Ludmila, je vais m'intéresser à la photo que vous avez vue au moment de lancer la vidéo. La ressemblance est troublante. Et puis on peut se demander aussi comment Emmanuel Macron, à 32 ans, sans carrière derrière lui, sans talent particulier, a pu devenir associé gérant chez Rothschild. Ça fait beaucoup de questions. Ce que je vous propose de poser comme interrogation aux runes, c'est quels sont les liens entre Emmanuel Macron et la famille Rothschild. En posant la question ainsi, on peut laisser les runes dans une totale liberté pour répondre. On n'oriente pas la question, les liens peuvent être des liens de travail, c'est ce qui est officiel, et pour le reste, les runes peuvent nous éclairer s'il y a matière à savoir quelque chose. Encore une fois, demander si Liliane de Rothschild est la mère d'Emmanuel de, Macron, ça serait totalement orienter le tirage. Alors, je pose la question directement parce que finalement, c'est ce que certains vont se poser comme question. Moi, je préfère laisser lire une nous parler. Donc, quels sont les liens entre Emmanuel Macron et la famille Rothschild Alors, je remonte cette rune-là qui était hors cadre. Vous voyez, il est toujours important en voyance de ne pas orienter la question ou les questions et de ne pas suggérer une réponse dans les questions. En donnant simplement le mot les liens, on sait qu'il y a des liens de travail. Donc on pourrait très bien avoir juste une réponse de ce type sans forcément que les runes ne disent autre chose. Et puis, on peut aussi avoir d'autres réponses, d'autres surprises. Et c'est ce que je vous propose de découvrir. On va commencer à lire les runes de cette façon-là. Comme une évolution, finalement. Parce que des liens, il peut y en avoir plusieurs. Les liens peuvent évoluer au fil de la vie. On va donc avancer rune par rune. Si vous l'avez reconnue, celle-ci. Il y a quand même une rune de protection. Et puis, on tourne ainsi. Ce qui est intéressant, c'est de terminer par Hiera. Hiera, qui est une rune, je vais en reparler, que vous pouvez lire dans tous les sens. C'est un cycle. J'aurais beau la retourner d'un demi-tour à chaque fois. Nous aurons toujours la même symbolique. Et l'entrée en matière avec le tirage est très concret. Nous avons Ingvaz. Je vous avais dit, je commencerai par cette rune. Ingvaz, In c'est l'idée de la graine, de l'œuf. C'est une enceinte totalement hermétique. Ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. Et puis, Ingvaz. C'est aussi l'idée de repli sur soi, d'intériorisation, mais aussi la fertilité, la fécondité. Tout cela nous laisse à penser que le lien est bien plus qu'un lien de travail avec la famille Rothschild. Ingvase nous suggère, par ce lien de fécondité, qu'il y a un lien de sang. Mais attention, ça ne dit à aucun moment que Liliane de Rothschild est la mère de Macron. Peut-être le reste des runes nous le fera comprendre ou nous dira autre chose. Mais il y a bien un lien de sang entre Emmanuel Macron et la famille Rothschild. Et non pas un lien de travail, d'amitié, de réseau de connaissances ou autre. Nous sommes bien sur un lien de sang un lien de parenté pour que les choses soient bien claires. Officiel ou officieux, peu importe, le lien existe. Et on comprend mieux pourquoi un Emmanuel Macron à 32 ans arrive à se faire propulser banquier associé alors qu'on sait que Rothschild est une entreprise familiale. Et dans famille, il y a les liens du sang. Ghebo à présent. Gébourg suggère une histoire d'amour, de rencontre, de partage. Mais aussi, c'est l'idée de... Oui, de, de quelque chose qui relie. Ce qui aurait tendance à suggérer qu'il y a eu entre une personne de la famille Rothschild et une personne de la famille Macron, une histoire d'amour. Ça ne dit pas quand, ça ne dit pas dans quelles circonstances, mais ce qui renforce l'idée du lien de sang. Un lien de sang qui n'est pas officiel, je vous le rappelle. Dès lors, on peut tout à fait se diriger vers une histoire d'adultère. Un fils caché. Et nous aurions dit au temps des rois de France un bâtard ce mot n'est pas péjoratif il décrit une situation je ne le dis pas en tant qu'insulte mais je, me, je le dis en tant que référence historique bien sûr comment c'était dénommé au temps des rois de france et puis vous voyez ici nous avons une rune de protection je vous l'ai dit dès le départ et cette rune c'est hélas c'est une rune de protection, naturelle, mais peut-être un peu plus forte que cela, dans le sens où il y a une rune de protection et en même temps un guide. Ça veut donc bien dire que quelque part dans la famille Rothschild, on l'a accueilli dans la banque parce qu'il y avait un lien de sang, et on a voulu quelque part lui mettre le pied à l'étrier ou le propulser en avant, peu importe les termes que l'on utilise, en tout cas. C'est bien l'idée de propulsion vers là-haut, de propulsion vers le haut pardon, et de propulsion de l'aider et de le guider, ce qui montre bien aussi que quelque part les décisions que Macron ou les indécisions que Macron peut avoir, elles sont dictées par ce qu'il a reçu comme formation. Tout ce qu'on lui a inculqué à un moment donné. On peut se dire que outre la personnalité de Macron et ce qu'on pense du personnage. Mais ses actions sont dictées par ce qu'on lui a inculqué, et quelque part, on peut y voir l'ombre de la famille Rothschild dans la façon d'appréhender les choses. Dagaz que voici, cette forme de sablier, je préfère la voir comme ça, comme un sablier, que comme la présentation traditionnelle. Dagaz, donc, est une rune qui nous annonce l'ouverture d'un passage, la fermeture d'un autre. Ce qui montre que quelque part, cette histoire d'adultère, cette histoire d'amour qui a pu exister, c'est vrai qu'adultère, ce n'est pas un joli mot, une histoire d'amour, même si elle est faite en dehors d'un couple, c'est quand même un mot beaucoup plus joli. Donc cette histoire d'amour a existé et quelque part, on va dire qu'elle s'est terminée assez rapidement. Quand on voit Dagaz, on a trouvé vite un équilibre. Il fallait de toute manière rétablir, on va dire, une façon, d'une certaine façon, l'ordre moral. Et regardez derrière tout de suite, on est sur Bergano. De cette histoire d'amour, là encore, on confirme bien qu'il y a eu une naissance. Naissance qui n'était pas prévue. Personne dans cette relation avait décidé d'un... Qu'il y aura un enfant de tout ça, c'est une histoire d'amour hors mariage, non officiel, qui aurait dû rester caché, qui aurait dû être éphémère, et pourtant un enfant est né. Bergano nous le dit. Et ce qui est intéressant, c'est de poursuivre avec Wunjo. Si on regarde la valeur divinatoire de Wunjo, cela désigne une collectivité, une famille, une fraternité. C'est-à-dire le fait d'être uni aux autres, d'être relié. Hunjo indique que le consultant s'intègre dans un groupe humain, qu'il va accéder à une position, une identité sociale, c'est-à-dire trouver sa place dans la société. Cela nous montre bien que quelque part, le, le petit Macron, je vais l'appeler comme ça, le petit Emmanuel, finalement, à sa naissance n'a pas été rejeté ni par sa famille d'origine, celle officielle, ni par la famille Rothschild. En réalité, il a été accepté par les deux clans et quelque part, cela lui a permis de prendre sa place dans la société jusqu'à la place finalement qu'il occupe aujourd'hui. Et on comprend mieux pourquoi cet homme qui n'a jamais rien réussi se propulse banquier qui ne réussissait pas grand-chose dans la, de la banque, se retrouve ministre, puis président, alors qu'il est parti de rien. Bien sûr, on peut se dire, je me fais l'avocat du diable, il a pu faire cela grâce à son talent. Mais quel talent En réalité, on n'a jamais vu de talent. Ce n'était pas une critique, c'est une constatation tous les indicateurs sont au rouge, et quelque part, comment expliquer qu'une personnalité presque totalement inconnue d'un seul coup se trouve aussi rapidement président de la République On aurait pu imaginer un, un Philippe de Villiers, on aurait pu imaginer, euh, je ne sais pas, euh, Ségolène Royal, vous voyez, ce sont des gens pas forcément que Ségolène Royal, j'apprécie pas, mais je veux dire, euh, le, le, le principe n'est pas là. C'est qu'ils ont réussi des choses. En tout cas, elles étaient connus. Ségolène Royal était très connu dans le monde politique. De même que Philippe de Villiers. Donc, on aurait pu se dire, voilà, c'est leur parcours qui les emmène à cet endroit-là. Mais quel parcours a finalement Emmanuel Macron à la fois dans le monde de la banque et à la fois dans le monde politique. Il n'y en a pas. Finalement, ça prend un petit peu tournure et on comprend mieux pourquoi il est arrivé à se faire propulser à, à cette place. Regardez, Agalaz. Agalaz a une autre forme dans les runes. On connaît celle-ci, en tout cas celle que j'utilise, mais à l'origine, c'était une forme à six branches. 6. 6, et cette rune apporte la protection d'une étoile à six branches. L'étoile à six branches, c'est le côté juif. C'est juste une remarque, hein. c'est pas assez blanc-corne. Surtout, n'y voyez aucune critique de rien du tout. Je ne fais juste que décoder ce que disent les runes. Il y a donc une famille juive qui a pu protégé au cours d'une restructuration de sa vie, ce qui montre que quelque part, le P... Emmanuel Macron ne prenait pas, avant son parcours dans les banques, une direction satisfaisante au vu de cette puissante famille Rothschild. Et justement, avec cette restructuration, Uruz nous montre qu'une idée vient en tête. L'idée... De se mettre en avant. Les runes, vous voyez, nous répondent sur les liens très rapidement. On va dire que cette première partie répond des liens. Mais si vous regardez, elle nous donne aussi le fil de sa vie, de la naissance, de son arrivée dans la banque Rothschild, de la restructuration avec une idée qui se met en place, de le propulser dans le monde politique et d'en faire finalement un président, parce que c'est quelque part ce qui s'est passé. Vient ensuite Anzouz. Anzouz, c'est une rune assez sombre, assez noire, si on peut dire. Elle symbolise l'idée de la mort. Alors la mort, comme je vous le dis tout le temps, n'est pas forcément le décès. La mort est tout simplement la fin d'une situation, la fin de quelqu'un, la fin de quelque chose. Et puis c'est aussi une rune de pourrissement. Or, quand on remet ça à ce que on peut décrypter euh, du chef de l'État, on voit bien que tout ça nous emmène là. Parce que oui, visiblement, ces derniers ces, derniers, ces cinq dernières runes, nous parlent non plus du lien, mais plutôt de la main de celui qui met en avant l'autre la main de la famille Rothschild qui pousse en avant un Emmanuel Macron qui au départ était balbutiant mais c'est un petit peu le monstre qui se révèle au fur et à mesure les Rothschild poussent en avant une marionnette celui qu'ils ont je ne dis pas élevé mais qu'ils ont mis en avant qu'ils ont fabriqué mais la personne qu'il fabrique c'est euh, ne se révèle pas être la personne qu'il pensait le côté sombre prend le dessus et regardez isa on sent quelqu'un qui n'écoute plus rien qui n'écoute plus personne isa c'est la rune de la solitude c'est la rune aussi de quelqu'un qui échappe à tout contrôle qui échappe au contrôle de cette famille qui l'a protégée et qui l'a fabriquée. Et Hiera, hiera regardez, on a quand même un symbole de croix gammée en partie dessinée. On sent la dictature en place. On sent une personne devenir, comment pourrais-je dire, c'est pas psychopathe, c'est quelqu'un dictateur, dictatorial. Il a échappé à ses créateurs. Le lien était un lien de sang au début. Lien de sang qui s'est fait euh, par une histoire d'amour. Tout simplement, deux personnes ont eu un enfant ensemble, même s'il ne devait pas euh, exister au sein de cette histoire d'amour. L'enfant né n'est rejeté par personne. Un clan s'en occupera, le franet sera celui de l'officiel. Et c'est la famille Macron. Et vous avez dans le dans le comment je dirais dans le dans l'autre clan le clan Rothschild un clan qui n'a jamais perdu de vue de qui il était et qui en grandissant a trouvé la protection des Rothschild qui ont voulu le restructurer qui ont voulu l'utiliser finalement mais le monstre comme celui de Frankenstein l'aura échappé et est devenu quelqu'un d'extrêmement dangereux. Alors, ceux qui pensent que euh, Liliane de Rothschild est la mère d'Emmanuel Macron, eh bien non. Non, ce n'est pas sa mère. Mais le lien du sang existe. Est-ce une de ses tantes euh, ou un cou une, une cousine éloignée En tout cas, il y a bien un lien familial entre les deux. Mais ce n'est pas sa mère. Mais ce qui n'empêche qu'à travers les familles, on peut se ressembler très fortement. Dans toutes les familles, vous pouvez avoir des cousins qui ressemblent à d'autres et on voit tout de suite le trait familial. Et bien là, on est en face du même phénomène. Alors si ce tirage vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter. L'algorithme de YouTube adore vos commentaires. Alors allez-y, commentez, donnez votre avis, faites vivre cette vidéo. Et puis je vous retrouve, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous